la remarque de Cali est intéressante. Parce qu'on dit on les a massacrés, mais vous savez que souvent les arbitres, enfin ceux qui sont mis à l'arbitrage, c'est des anciens joueurs pour la plupart, et qui ont eu un geste malheureux envers un arbitre, soit qui ont agressé malheureusement un arbitre, ou qui ont contesté continuellement les arbitres. Et puis après ils ont été suspendus. Donc lorsqu'on est suspendu, on est dans l'obligation d'arbitrer 6-7 matchs ou 8 matchs. Et puis finalement ils ont aimé. Et ce sont devenus souvent de bons arbitres. En plus vous passez des tests, il y a des. La viande, on essaie de savoir si on mange. Si on mange bien. On avait des anciens arbitres qui étaient très forts là-dessus. Jonathan nous a parlé d'un ancien arbitre. D'Artigas. Il a arrêté là, parce que. Il a une renommée qui a dépassé les frontières du pays. C'est l'arbitre le plus adoré de France, je crois. Si je peux me permettre. Je me souviens pas. Une des plus belles images de Massiello, c'est au stade. C'est. Comment il s'appelle ce stade? À Marseille, le Vélodrome. Et je vois à un moment, il y a un arbitre qui demande un arbitrage vidéo. Et là, il n'y a pas de manque de communication, les micros sont pétés. Et là, on le voit, il part derrière les tribunes. Et on le revoit en courant, il sort comme ça, et le pousse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va décoller super vite. Mais il est de Toulon en plus, il est de chez moi. Mais Pierre, c'est, pour moi, c'est. Voilà, j'ai eu d'autres entraîneurs, tu vois, qui m'ont marqué, mais lui, c'est particulier. Aujourd'hui, tu vois, même s'il me parle, il m'engueule, j'ai l'impression d'avoir le rôle père-fils, quoi. Tu vois, je baisse les yeux, je vais pas être attendu. Pas pour qui. J'ai beaucoup de respect pour Pierre. Et tous les joueurs de ma génération, c'est pareil, quoi. Alors peut-être aujourd'hui, peut-être dans un contexte différent, parce que le rugby a évolué, tu vois. Mais pour moi, ça a été, et ça l'est toujours, tu vois, quelqu'un important dans ma carrière de rugby. Ça t'a donné faim? Eh bien, je t'invite à ma table pour tailler une bavette. Alors, affûte ton style et va tenter ta chance sur Facebook.